What's going on guys, épisode 12 de la campagne Reborn des vampires sur Total War Warhammer. Donc la dernière fois nous avions fait la paix avec l'Empire qui nous a coûté notre taux de fiabilité, notre indice de fiabilité qui a chuté parce qu'en fait ils nous ont demandé la paix. Et du coup, en fait, on l'a refusé. Mais après, il y a une armée qui s'est pointée vers le milieu de nos terres, là, comme ça, qui est arrivée, en fait, d'ici. Non, d'ici. Parce que j'avais pas vu qu'ils avaient... Ils ont une terre ici, en fait. Ils ont une ville. Voilà. Très bizarre, parce qu'ils ont une ville ici, et après, le reste, c'est tout là-bas. Hein. Le reste, c'est tout là-bas. Donc, du coup, voilà, il y a une armée qui s'est pointée, hop, tac-tac, on sait pas d'où elle venait. Donc on leur a demandé la paix pour éviter les problèmes dans nos terres, parce qu'on a beaucoup de contrées, on a beaucoup de... nos terres s'étendent assez loin, on a quand même... voilà, le chaos vient d'arriver aussi, la dernière fois le chaos vient d'arriver, donc on a déjà tout ça quand même, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour un royaume, on va pouvoir faire une bonne corruption vampirique, tout ça, on a un peu tout ce qui est possible de récupérer, il n'y a plus que le nord en fait à récupérer, donc là voilà, moi j'aime bien ce qu'on a déjà, je suis assez content, et ce qu'on va faire en fait, vu qu'on combat personne et qu'on a besoin d'argent et qu'on est des vampires, on tue tout le monde, on a découvert que les nains eux sont bientôt morts, ils ont pas beaucoup d'armées et ils ont que deux colonies et ils sont amis avec personne et ils se font taper, enfin voilà, on s'en bat les steaks. Donc on va les défoncer, on va les défoncer. Après on risque de se faire mal voir par les nains, mais à la limite les nains on s'en fout, pourquoi bah, tout simplement parce qu'ils sont occupés avec tout le monde déjà. Donc voilà, autant faire de l'argent sur des gens, donc on va faire de l'argent sur le petit groupe de nains. Ils ont que deux villes, donc une là, ils ont sûrement qu'une seule armée. Il y a aussi une armée là, mais elle est vide. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc assez content. Et Richemont a une bonne armée. Oh putain, on peut prendre un Terrorgheist déjà, oh la vache. Non, un Vargolf, pardon. Terrorgheist, faut que tu te casses, hein, tu sers à rien. On pourrait les virer, les horreurs des cryptes. Hein. À la limite, on pourrait les virer, mais bon. Vu que maintenant on a une belle armée, mais on va attendre que Mannfred revienne, etc. On a les outre-tombes. Mon dieu. Les chevaliers de sang. Faut toujours que je les récupère, mais bon, on verra ça après. Ouais, pour l'instant, on va rester comme ça. Ouais, j'avais dit que Richemont, je voudrais bien qu'il ait deux Vargolf à la place du Terrorgheist, en fait. Donc voilà. Là, on a des révoltes un peu dans ces zones-là, là. On a des révoltes, voilà. Donc Richemont fait un peu le tour pour tuer tout ce qui dépasse. On a 1200, est-ce qu'on a des trucs à faire? Normalement non. Là on fera ça plus tard. Non, on est bon. Donc ouais, pour l'armée... l'armée de Richemont... Après on va créer une troisième armée, donc on prendra des monstres aussi. Donc c'est pas vraiment un problème. On est à 5100 maintenant, c'est bien. Ah putain. Ça fait chier. Et c'est où la l'imminente? Ah ça va être là. Par contre ce qui est chiant avec ici, c'est qu'ils peuvent directement attaquer la ville et la prendre. C'est ça qui est emmerdant. Parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Donc ça c'est un peu emmerdant de faire aller-retour comme ça, parce qu'on peut pas faire un aller-retour en fait, on peut pas directement passer en un tour de l'un à l'autre. Donc à la limite, je sais pas ce qu'on va faire avec lui. Enfin, maintenant on est là, on va les défoncer. Enfin, après on s'en fout de cette ville. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le reste. Donc voilà, à la limite, c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est parti. L'attaque des nains. Ça va prendre du temps et ça va prendre beaucoup de temps. Mais on va le faire. Donc, nous voici. Je pense que tout l'épisode va être le siège de la ville. Qu'est-ce que je viens de faire? Va être le siège. Parce que ça va prendre du temps. Déjà on n'est pas... Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Déjà on n'est pas full vie, donc il va falloir un peu qu'on régène. On est très peu, hein, comparé aux nains. On va attaquer de quel côté? Droite ou gauche? J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace ici. On va attaquer à droite. Non. Comme ça, voilà, ça c'est bien. Et eux... Ah, avec le carrosse derrière, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça comme ça. Ah, c'est sympa. Ok. Aussi, j'ai une question très importante. Alors, s'il vous plaît, il va falloir vraiment répondre à cette question. Qui c'est qui a foutu ces lampes au plafond? Comment c'est possible? Qui c'est qui a fait ça? Et ils en ont foutu partout, hein. Il y en a partout quand même. Hein. Qui c'est qui est allé là-haut et qui a planté ça? Comment ils ont fait? Qu'ils fassent des statues, à la limite, bon bah ça va, on peut comprendre et tout, ça prend des années et tout. Mais poser des putains de lampes comme ça, qui tiennent avec des chaînes au plafond de la grotte, je trouve ça vraiment fort. C'est parti! Tiens, ils étaient cachés, je sais pas pour... Ouh la vache. Tour du fort. Ouh la vache, c'est... Ouh putain, ils tirent des... Des trucs qui explosent. Ils tirent des trucs qui explosent, la vache. Oh putain. Bon, pour l'instant, ils ont pas l'air de nous tirer dessus. Donc on va attendre que les portes craquent. Ah, ils n'ont pas l'air de nous tirer dessus pour l'instant. Donc tant mieux parce que ça nous permet de régénérer un tout petit peu. À la limite, ce qu'on va faire, si jamais quand les portes sont ouvertes, si jamais ils font rien, on va placer les Vargolf ici, je l'ai juste devant. Et on va gagner du temps, on va les faire régène full vie. On va faire ça. Putain, qu'est-ce qu'ils sont nombreux les nains, oh la vache. Tout le monde qui régène, ça c'est bien ça. On a notre point faible. Ça reste quand même le... Le carrosse, hein. Le carrosse reste un problème. Ok, j'ai pas l'impression qu'il nous tire dessus, donc on va régène, on va en profiter. Très bien, on va en profiter. Le point faible reste le carrosse, c'est-à-dire que le carrosse, il régène pas. Donc on va falloir le soigner à chaque fois. Donc ça fait deux personnes à soigner, ça fait Mannfred et le carrosse. Donc ça va être un problème à chaque fois. Je suis un peu étonné pourquoi il n'y a pas les arcs-bustiers, tout ça là. En première ligne, ils devraient, normalement. Donc je trouve ça un peu bizarre. Mais ils doivent être derrière, pas loin. Et là, tout le monde est presque full HP. Et on va y aller. Encore eux qui sont un très haut rang, là. Hein. Ils sont, tout le monde est très haut rang. Eux, ils sont au maximum. C'est quoi leur stat, un peu? Ouais, ça va, pas mal. Lui, il est attaque en mêlée 30, défense en mêlée 15. Il est un peu comme les dragons. Ouais, on va y aller. Voilà. Le carrosse se fait légèrement défoncer. Le reste a l'air de bien se débrouiller, le carrosse est juste un peu à la ramasse. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tout le monde est en combat, ça va. On se fait tirer dessus. Alors, se faire tirer dessus quand on a des monstres, c'est pas vraiment trop un problème. Pas vraiment un problème. Parce que ils vont faire plus mal à leur troupe qu'autre chose. Gagner là, ça va, personne descend trop bas. Voilà, le point faible, hein, point faible, carrosse. C'est 48 morts. Il en a fait un peu plus que tout le monde. Faut pas qu'il tape le chef en fait. J'ai l'impression que le chef l'avait bloqué. Hein. J'ai l'impression que le chef lui court après même. On a 30, on a 60. Après, un truc qu'on peut faire, c'est virer le carrosse aussi. Ok, on va sortir un peu. On va sortir un peu, on va gagner du temps, on va régène. Ouais, le carrosse est embêtant. Pour ce genre de combat, le carrosse est très embêtant. On va peut-être tuer le chef. Ok, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mineurs. Parti où le chef? Toujours pas mort. Je veux pas le tuer à la magie parce que la magie il en faut. On va faire un tour. On va faire un tour. Plus on se bloque les uns les autres là. Allez, allez, allez. Pourquoi ils se bloquent tout le temps, putain. Il faut les faire passer les uns après les autres, c'est ça? C'est bon. Ah putain. J'ai l'impression que lui il est complètement bugué en fait. Ah, fait chier. Ennemi est mort. Je sais même pas comment il est mort. Hein. Je crois qu'il s'est... Ah, il s'est peut-être fait shooter par les canons en fait. Mannfred, j'ai jamais dit d'aller sur... Ah si, peut-être, j'ai fait une erreur. Je voulais pas... Mais je voulais pas que Mannfred il aille sur... sur le toit. Encore un dragon par terre, je sais pas pourquoi. Mangez-les. Oh la vache, les mecs de catapultes qui viennent à pied. Ils doivent plus arriver, rien à voir. Mannfred, on va te virer du groupe en fait. Voilà. T'as combien? 134 morts. Allez, allez, allez. Allez, venez vous, le mec. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Le carrosse 35, c'est pas top top. Hein. Pas top top hein, le carrosse, hein. Je commence à moins l'aimer en fait. Je commence à de moins en moins l'aimer à cause de ça en fait. Après il fait des morts quand même. Hein. Ah faut le dire, non faut l'avouer, il fait des morts. Hein. Ah, il fait des morts. Hein. Il est à combien? Il est à 170. Et il est plus que tout le monde, plus que tout le monde. Il est dur à... Oh putain, ça y est, on a gagné. Il est dur à contrôler à cause du fait que... du fait que voilà, quoi. Il régène pas rien. Mais au final, ouais, il marche. Hein. Marche. Après, quand il tue, bon, ça augmente un peu. C'est vrai, ouais. Les stats, elles sont pas terribles, hein. Ouais, elles sont pas terribles les stats. Ça m'embête, ça m'embête. Il en faudrait peut-être plusieurs. Genre un ou deux. Deux peut-être. Enfin, un ou deux de plus, je veux dire. Pour voir un peu leur puissance. Oh. Do not shame your ancestors. Ne faites pas honte à vos ancêtres. Ah bah putain. sais pas combien on a fait de morts là, mais on a fait un paquet. Et on a plus de magie, ça va. On s'est bien débrouillé avec la magie, voilà, et on a juste dû soigner le mec plusieurs fois. Donc voyons voir le total des morts. Les dragons ont bien travaillé, mais les dragons, on va dire, on les compte pas parce que les dragons, ils volent d'unité en unité. Ah bon, on verra ça après. Et voilà. Donc quand même, le carrosse noir a encore fait le plus de morts. Hein. Encore fait le plus de morts. Donc on va dire que c'est une bonne unité, mais je pense que c'est vraiment une bonne unité à cause du fait que Mannfred peut la protéger. On peut les soigner, on peut le soigner, etc. Mais c'est vraiment que ça, quoi. C'est vraiment que pour ça. C'est vraiment que pour ça. Après, je crois que le reste, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment utile, quoi. On va se mettre en embuscade parce que pourquoi pas. Ici il y a les murs donc ils peuvent pas détruire, ça va. Ici il y a les murs aussi. On est tranquille. Bon, ça a pas duré aussi longtemps que ce que je pensais. Je pensais que ça allait durer quand même beaucoup plus longtemps, mais au final non. Ça va. On a eu un petit apport d'argent. Je pensais qu'on allait avoir quand même 10 000 à peu près. Parce que les nains sont toujours riches. Mais non. On a eu quasiment 7 000, ça va. Par contre, on était où avec notre... voilà, monsieur. Avec notre monsieur. Donc on va pas pouvoir directement le tuer. Limite, non, on fait juste ça, qu'on se fout dans la ville. Ça va aider la... ça va aider. Ça, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Peut-être un peu de ça. Ici, pour l'instant, je vais pas augmenter plus que ça, parce que je sais pas si la ville, on va la perdre. Peut-être qu'on va la perdre directement, la ville. Hein. Parce que là, je crois que là, on va avoir une révolte, elle risque d'attaquer direct, et c'est mort. Donc, là, on l'aura peut-être perdue. C'est pas grave, mais bon. Ça, ça fait de l'argent. Là, on fait ça, parce que la corruption... ouais, il y a toujours le mec. On pourrait faire ça aussi. Non, on va pas faire ça, c'est trop d'argent. Ah, niveau 4. Donc ça veut dire qu'on peut faire niveau 4 aussi ici. On va le faire ici plutôt. Corruption vampirique, moins 1%. Ah, pas bon, ça, pas bon. Ouais, corruption vampirique baisse, donc c'est pour ça que... je l'ai construit ou pas le truc? Non, je l'ai pas encore construit, c'est pour ça que... Alors ça, ça va, on l'a. On en a un aussi là-bas, maintenant, ça va. Donc il va falloir commencer la corruption là. On va mettre sur ça pour l'instant. On perdra un peu d'argent, mais c'est tout, quoi. Mais il nous faut de la corruption, là. J'ai pas envie de perdre mes trucs du début, quoi. Ça serait un peu chiant. Ça serait un tout petit peu chiant. Ordre public, là c'est bon. Bien. Ok. Il va peut-être créer une armée dans son autre ville. Hein. C'est possible. C'est possible. Ah voilà. C'est bien ce que je pensais. Hein. bien ce que je pensais. On va peut-être la... Il va la raser, je suis sûr. Voilà. Non, enfin, il va prendre possession de la ville. Voilà. Comme d'habitude. Ils font toujours la même connerie, ces connards. 5000, 4005 maintenant. Ah, ils ont tout détruit. Qu'est-ce qu'on a eu? Usure, Mannfred, faction, rencontrer, Sky League, réseau de magie noire, réserve de puissance des vents magiques, toutes les forces. Oh, c'est bien ça. Bien pour nous ça. Voilà. Do you take me for a Wazak? No, I will not share. Alors, vérifions. 17. Ils ont sûrement une armée quelque part. Ce qui est embêtant, c'est qu'on prend mais grave de l'usure, mais là c'est méchant par contre. Donc je pense qu'on va sortir de leur terre et on va faire le tour. Je crois que c'est le mieux, parce que c'est que ça reste dangereux là. On va sortir de leur terre. On va faire le tour par là. Voilà. On pourrait le faire directement, on peut faire une ligne droite, hein, mais je le sens mal là, parce que là, on perd quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on va se faire attaquer aussi. On va se faire attaquer, donc on va y aller doucement, faut que nos armées soient prêtes. Bring me flesh to craft. Bring me some meat fodder. Eux, on va le faire en manuel parce qu'on a vu que l'automatique ça faisait mal. Voilà, donc. Ça. D'ailleurs, ça fait comment? Ah, c'est mieux comme ça. Même si j'aime pas trop. Ah, voilà, là c'est mieux comme ça. 3 et 4. Alors, on a des montagnes. Les chevaux, on va les faire partir d'ici. De toute façon, on peut. C'est des vampires, donc ça va, on a le temps. C'est pas comme s'ils allaient, ils avaient des trucs de jet ou catapulte. Hein. Quoi ça, les chauves-souris? Waouh, des chauves-souris, waouh! Faut vraiment attaquer le dragon. Faudrait bien que toute l'armée en fait vienne, mais bon, apparemment... Ils veulent pas vraiment. Là c'est quoi? Ouais. Ça fait chier parce que ça c'est une... Bon, on va faire cavalerie contre cavalerie. Vous vous êtes fait attraper comme ça. Très bizarre. Donc ouais, les... Ouais, putain, il y a quasiment pas de mort. Ah, ils sont vraiment bien quand même. Truc de l'outre-tombe. J'avoue que... Ouais. Content. Content, content. Allez, putain. On arrive. Et voilà. Là, ça doit être la charge finale, je pense. Le moral, il va... Ouais, voilà. Ouais. Là, on est bon, là. Eh merde, je suis... Ouais, faudra changer ces chevaliers noirs par des... Par des chevaliers de sang, là. Ce sera beaucoup mieux, parce qu'ils crèvent trop facilement. Donc ouais, impressionné par les autres tombes là, j'avoue. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'on peut prendre l'argent parce qu'ils meurent tous d'un coup, donc on n'a pas besoin de vraiment faire attention. Ouais, donc les outre-tombes ont quand même résisté. On va faire ça. Ont quand même résisté aux horreurs des cryptes. C'est quand même pas rien. Quand même pas rien. Donc là, il y a des rebelles, mais on s'en fout. Normalement, ils vont pas nous attaquer, si. Alors, on va aller les tuer quand même. On va aller les tuer. On est où là? On est ici. Est-ce qu'on met un truc de corruption? Non, c'est pas utile. Ici, c'est pas utile. Ici, on va attendre que ça se développe plus, je crois. On va attendre que ça se développe plus et on fera... On va faire ça. Pour récupérer les rois revenants en fait. Je pense. Je vois pas vraiment quoi faire d'autre ici. C'est quoi ça? Des trolls du chaos. Ah, ils sont graves en combat avec eux. Tant qu'ils viennent pas sur mes terres, moi ça me va. Ça me dérange pas trop. Ok, on va s'arrêter là. On va passer le toit et on va s'arrêter là. Un 28, ouais, il a plus d'armée, c'est bon. T'es qui toi? T'es le roi revenant. Le recrutement. Ah, on va faire ça. Et nécromancien. Nécromancien, faudrait peut-être le bouger, faut voir où c'est que je dois construire le plus. Enfin, c'est vrai que je l'utilise dans un sens pour faire de l'ordre public aussi. Donc bon. Le bâton. Bon, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé. On a un peu perdu d'argent parce qu'on a perdu une province. On a perdu une province. Ça aurait été bien que... Ce serait vachement bien en fait qu'ils montent. Genre qu'ils montent les trucs, les bâtiments. Et après on les tue. Et après on les tue. Ça pourrait être drôle, mais bon, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, hélas. Enfin voilà. On va s'arrêter ici. Mannfred, lui, il va... Voilà, il va le faire peut-être en 2 fois. Ouais, on va peut-être pouvoir se déplacer. En 2 fois, on va détruire les nains, et puis voilà, basta, hein, on n'en parle plus. Et on va continuer nos murs, et tout. Et après, peut-être, vu que là, je vois que la principauté frontalière commence à nous casser les noix. Bon, ça s'améliore, donc peut-être pas, ils vont peut-être pas nous attaquer, parce qu'on attaquait eux. Donc ça se passe mieux, ouais non ça se passe mieux. Peut-être qu'on va repartir en guerre contre l'Empire du coup. Ça c'est possible aussi. Pour en finir. Voilà, vraiment pour en finir. Et du coup on devra, avec Mannfred, genre on rase ça, comme ça c'est fait. Et après Mannfred il continue directement sur là, sur ici, comme ça on rase cette ville. Enfin quoi qu'on peut la prendre, je crois qu'on est vampire, on peut la prendre. Mais on détruit la ville là. Et après avec Richemont, vu qu'il est toujours dans les parages, Richemont il enchaîne ici. Il enchaîne là. Voilà les 3 là. Comme ça on prend cette zone. Ça peut être pas mal aussi de faire ça. Voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine, ciao.